Salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film de la prélogie, je veux bien sûr parler de La Revanche des Sith. Bon, question derrière la caméra, il n'y a pas grand chose à en dire. Toujours George Lucas à la réal et au scénar, toujours aux commandes d'une équipe de Yes Man, toujours le même casting que pour le film précédent, notons que j'ai tout de même oublié de mentionner quelqu'un dans la vidéo précédente, à savoir Jamie Smith, celui qui jouera Bail Organa, celui qui adoptera Leia. J'ajoute également que c'est dans ce film qu'on va avoir le grand retour de James Earl Jones, celui qui a fait la voix de Dark Vador dans la trilogie originale, le retour de Peter Mayhew, celui qui a joué Chewbacca, et nous accueillons dans ce film Matthew Wood, celui qui fera la voix du général Grievous. Désolé si je zappe rapidement mon intro, mais c'est juste qu'il y a tellement à dire sur ce film que je vais passer directement au résumé. Alors, l'histoire de La Revanche des Sith commence 3 ans après la fin de l'attaque des clones. La galaxie est en guerre. D'un côté, la République avec son armée de clones dirigée par les chevaliers Jedi, et de l'autre côté, les séparatistes avec leur armée de droïdes dirigée par le comte Dooku et le général Grievous. Et nous débutons sur la bataille de Coruscant. Les séparatistes ont lancé une offensive de grande envergure. Ils ont capturé le chancelier Palpatine. C'est donc aux deux chevaliers Jedi, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, d'aller le sauver. Ils y arrivent, Anakin a tué le comte Dooku et ils ont mis en fuite le général Grievous. Après la fin du combat, Anakin retrouve Padmé qui lui annonce qu'elle est enceinte. Mais de l'autre côté, les chevaliers Jedi se doutent que quelque chose se trame dans l'ombre. Ils soupçonnent le chancelier Palpatine d'être lié au Sith. Ce dernier, qui a la confiance d'Anakin, demande aux jeunes Jedi de siéger au conseil, alors qu'il n'a pas le rang de maître. Pour riposter, le conseil Jedi accepte que Anakin siège parmi eux, mais ne lui accorde pas le rang de maître. Et malgré le mécontentement d'Anakin, le conseil lui charge encore d'une tâche, d'espionner le chancelier. Et les choses ne vont pas s'arranger pour le jeune Jedi, déjà parce qu'il a vu sa femme en train de mourir dans un rêve prémonitoire, de plus il va être séparé des deux Jedi qui auraient pu l'aider, à savoir Obi-Wan et Yoda qui sont appelés à rejoindre le front de la guerre. Yoda rejoint la planète des Wookiees Kashyyyk, et Obi-Wan est appelé sur le front de Utapao pour rechercher le général Grievous et mettre un terme à la guerre. Le jeune Skywalker s'attelle à la tâche que le conseil lui a confiée d'espionner le chancelier, mais Palpatine a deviné l'intention du conseil. Il en profite pour mettre Anakin de plus en plus dans le doute de son attachement envers l'ordre, tout en lui racontant l'histoire d'un grand seigneur Sith qui, grâce à ses pouvoirs, a réussi à préserver la vie. Anakin est intrigué par cette histoire qui énonce ce pouvoir qui lui permettrait de sauver Padmé de son rêve. Très peu de temps après, Obi-Wan Kenobi a engagé le combat avec le général Grievous et a réussi à le terrasser. La nouvelle est parvenue jusqu'à Mace Windu. Le maître Jedi a pris la décision avec le conseil qu'une fois que le général Grievous serait éliminé, qu'il allait demander au chancelier de renoncer à ses pleins pouvoirs. Sauf que Anakin est arrivé à la hâte avec une terrible nouvelle. Le chancelier Palpatine a avoué au jeune Jedi qu'il était le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. Au vu de cette situation qui ne tient qu'à un fil pour l'avenir des Jedi, Mace Windu et un groupe de combattants sont partis arrêter le chancelier. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Eh ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Sauf que la situation tourne mal, les combattants Jedi se sont fait décimer par le Seigneur Sith, et Windu a été pris en traître par Anakin. Le maître Jedi désarmé, Palpatine a sauté sur l'occasion pour le tuer. Anakin Skywalker n'est plus, il a signé son pacte avec le côté obscur. Désormais son nom sera Dark Vador. La situation sourit à Palpatine, il a de nouveau un apprenti très puissant qui l'envoie avec une légion de clones tuer les Jedi réfugiés dans le temple. Quant à lui, il transmet un message au commandant clone disséminé dans la galaxie, d'exécuter l'ordre 66, l'ordre qui indique aux clones de tuer leur commandant Jedi. Cependant, Yoda et Obi-Wan Kenobi ont réussi à échapper à la mort, et ont trouvé un allié inespéré en la personne du sénateur Bail Organa. Les deux Jedi sont retournés sur Coruscant, au temple, pour désactiver un message piégé qui indiquait aux Jedi de rentrer. En même temps, Obi-Wan a découvert avec horreur qui était l'auteur du massacre du temple. Pour faire en sorte que la paix règne, ils doivent détruire les Sith. Obi-Wan se chargera d'Anakin et Yoda se chargera de Sidious. Et au même instant, Palpatine déclare la chute de la République pour l'avènement de l'Empire Galactique.
Et du côté d'Anakin, il a rejoint le système de Mustafar pour tuer les leaders séparatistes. Padmé, qui a reçu la visite d'Obi-Wan, qui lui a avoué que Anakin a basculé du côté obscur, se rampe sur Mustafar pour en juger d'elle-même, sans s'en rendre compte que Obi-Wan s'est glissé à son bord. En arrivant sur la planète volcanique, Padmé essaie de ramener son mari du côté de la lumière, avec un discours grosso modo « sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant », mais ça ne marche pas, quand Anakin découvre que Obi-Wan est lui aussi présent. Il étrangle sa femme et engage le duel avec son ancien ami et mentor. De son côté, Yoda engage aussi un duel épique avec l'Empereur dans le Sénat Galactique. Malheureusement, le petit maître Jedi n'a pas réussi à terrasser son ennemi. Il en est contraint à la fuite et à l'exil. Du côté d'Obi-Wan, le chevalier Jedi a réussi à vaincre Anakin en lui coupant les membres. Il récupère son sabre laser, mais n'a pas la force de terrasser Anakin. Il préfère le laisser en proie aux flammes. Obi-Wan a récupéré Padmé et s'envole pour un astéroïde pour rejoindre Maître Yoda et le sénateur Organa. De son côté, l'Empereur a récupéré ce qui reste d'Anakin pour l'emmener au centre médical de Coruscant. Padmé, qui est en train de mourir, doit vite donner naissance à ses petits. Elle est enceinte de deux jumeaux. D'un côté, nous assistons à la naissance de Luke et Leia, et de l'autre côté, la naissance de celui qui deviendra leur pire ennemi, Dark Vador. Obi-Wan et Yoda décident de séparer les deux petits pour les protéger des Sith. Bail prendra Leia et l'adoptera pour l'emmener sur la planète Alderaan. Quant à Obi-Wan, il prendra Luke pour le confier à sa famille qui lui reste sur Tatooine. Et dans un autre secteur de la galaxie, l'Empire entame la construction de l'Étoile Noire, sous le regard de l'Empereur et de Vador. Bon, maintenant on va s'attaquer au vif du sujet. Mais pas seulement pour ce film, mais aussi pour la prélogie entière. Parce que comme je l'ai dit, les trois films d'une même trilogie Star Wars forment un tout. Et en même temps, on va répondre à la question que j'avais laissée en suspens dans ma vidéo sur la menace fantôme. Mais en ce qui concerne la revanche des Sith, est-ce que c'est un bon film? Oui, il est plutôt bon. Il a de très bonnes qualités ce film, mais en même temps, énormément de défauts. Ce qui en fait bien entendu le meilleur épisode de la prélogie, mais pas un des meilleurs épisodes de toute la saga. Mais vu que c'est un bon film, on va d'abord s'attaquer à ses défauts pour terminer sur ses qualités. Le principal reproche qu'on peut faire à la revanche des Sith, c'est qu'il est l'héritage des deux films qui l'ont précédé, tout comme l'épisode 6. Malgré le fait que le Retour du Jedi soit le moins bon film de la trilogie originale, il reste tout de même excellent, parce que avant lui, on a eu Un Nouvel Espoir, qui nous présentait un nouvel univers et des héros qu'on a appris à aimer, pour que ensuite, dans sa suite, l'Empire contre-attaque, ils affrontent des difficultés au-delà de leurs limites et de leurs forces, pour qu'ils puissent mieux se préparer à la suite, au combat qui va déterminer leur avenir. Et c'est exactement le même cas que pour La Revanche des Sith. Sauf que là, c'est le résultat de deux produits pas terribles. Entre un film qui n'a servi à rien, et le second qui a tous les signes pour être le début d'une histoire de la chute d'un héros, mais qui au final s'embarque dans des moments complètement chiants, aussi chiants que des épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. On peut également noter que l'un des plus gros points faibles de la prélogie, c'est sa narration. Parce que quand on regarde entre l'épisode 2 et l'épisode 3, qui sont les seuls épisodes intéressants de cette prélogie, eh bien, il y a un trou. Et là, je vais vous poser une question. En vous fiant aux deux films que j'ai cités, mais seulement à ces deux films que j'ai cités là, que pensez-vous du général Grievous ? Ok, d'accord. Qui c'est celui-là ? Pourquoi est-ce que tous les personnages du film le connaissent et pas nous, les pauvres spectateurs ? Pourquoi est-ce qu'on est déjà à la fin de la guerre alors que dans l'épisode 2, on venait à peine de la commencer ? Pourquoi est-ce que c'est lui le nouveau chef des armées droïdes ? Pourquoi ce droïde tous ? Attendez quoi, c'est pas un droïde ? Bref. George Lucas a amené ce personnage comme si tout le monde savait qui il était, en pensant que ces personnes ont vu la série animée de Cartoon Network de 2003, Star Wars Clone Wars, où le général Grievous faisait une apparition tellement classe et était vachement bien présenté dans cette série. Sauf que quand on fait un film, on fait en sorte que le film soit complet en lui-même, et qu'il ne se repose absolument pas sur une autre œuvre, même d'un autre format, pour être complet. Et là on va s'attaquer au deuxième gros problème de la prélogie. Et ce problème n'a pas seulement déçu les fans de Star Wars, ceux qui en ont pas aimé la prélogie, mais surtout ils ont déçu les cinéphiles tout court. Voyez-vous, l'art, que ça soit l'art littéraire, musical, théâtral, cinématographique, etc., tous ces arts reposent sur un principe. Le principe du show, d'un tell. Montre, ne dis pas. Les cinéphiles n'ont pas apprécié la prélogie parce que ça ne respecte pas ce principe. Bon, à part peut-être l'épisode 3, mais j'y reviendrai plus tard. Mais sinon, en ce qui concerne la menace fantôme et l'attaque des clones, là je suis d'accord. Ils ne respectent pas du tout ce principe. Ils expliquent trop de choses, au point de nous montrer trop peu de choses.
voire même rien, comme par exemple avec ce que je vous ai montré dans ma vidéo sur la menace fantôme avec les midi-chloriens, ou celle de l'attaque des clones avec Anakin Skywalker. Beaucoup trop d'explications pour justifier que Anakin est quelqu'un de très puissant et d'important, alors qu'on nous montre jamais l'aspect spécifique de ses pouvoirs. Sauf que le cinéma, ce n'est pas ça. L'imagerie doit avant tout vous raconter quelque chose, même un simple plan, que cela soit sur des personnages, ou même sur une situation, ou même simplement un reflet de notre réalité, ou de notre histoire. Dans l'attaque des clones, on a bien ce plan qui fait exception à la règle, mais à part les fans, quel néophyte qui n'a jamais vu les films de la saga Star Wars va comprendre que cette ombre dessinait le masque de Dark Vador? Mis à part pour faire de Star Wars sa vision telle qu'il l'avait prévue au départ, Lucas est devenu au fur et à mesure d'être un empereur d'un empire financier, un très mauvais réalisateur et scénariste. Parce qu'il s'est surtout servi de Star Wars et du cinéma comme excuse, rien que pour vendre plus de produits dérivés de la licence. Bon, après je suis un peu vache avec Lucas, je dirais des bonnes choses sur lui dans la partie positive. Bon allez, vite fait, les trois derniers points négatifs à propos de la revanche des Sith. Bon, pour ce point-là, il y en a qui l'ont bien aimé, et d'autres qui ne l'ont pas aimé. À savoir, beaucoup trop de duels dans ce film. 5 duels au sabre laser. Bon, mis à part 2 duels que j'accepte, dont un que je trouve en raccord avec le parcours d'Anakin, même si ce dernier se termine d'une façon assez conne, vas-y, reste planté comme un piqué, pauvre abruti, et le duel sur Mustafar. Mais celui-là, je l'attaquerai dans la partie positive. Mais sinon, concernant les 3 autres duels, déjà, il y en a 2 qui sont extrêmement décevants, dont un qui s'avère être le plus nul de toute la saga. Wow. Ah. Oh merde, saloperie d'arthrite. Attendez les gars. Ah, merci les gars de m'avoir attendu, ça va beaucoup mieux. Tiens, voilà pour toi. Et le duel avec le général Grievous fait subir des crises à tous ceux qui souffrent d'épilepsie. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Et sinon, le duel entre Yoda et Sidious est plutôt cool, mais reste quand même très discutable. Ouais, du coup, je suis un peu neutre vis-à-vis de ce duel. Bon, allez, passons. Les voix des droïdes de combat. Oh mon dieu, ces voix. Bon, pour les nouveaux, voici à quoi ressemblaient les voix des droïdes de combat dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Allez voir, caporal, on vous court. 5 sur 5. Et les voici dans l'épisode 3. Jetez vos armes, j'ai dit jetez vos armes. 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Je me demande vraiment qui a eu cette idée incroyable de foutre des voix de cartoon à des machines qui sont programmées pour faire la guerre. Comment voulez-vous prendre au sérieux cette guerre avec des voix comme ça ? Les mains en l'air, Jedi. Et le dernier point qui est très subjectif, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, Dark Vador qui fait non. 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 Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus pour vous prouver que ça ridiculise le personnage de Vador? C'est à se demander si on peut faire pire. Bon allez, maintenant je vais être gentil. Les points positifs. Vous êtes contents maintenant? La mise en scène est de retour dans Star Wars. Bon, t'en as pas beaucoup dans ce film, mais c'est déjà pas mal. Par contre, George, pour les scènes de dialogue, t'aurais pu faire un effort. T'as absolument rien changé depuis la menace fantôme. Juste du chant contre chant de tout ce qu'il y a de plus basique, à la portée de n'importe quel amateur. Mais sinon, pour le reste de ta mise en scène, elle fonctionne. Notamment sur certains passages du film. Par exemple, ma scène préférée du film. Anakin qui regarde l'horizon en direction de l'appartement de Padmé. Au moment où il va prendre une décision qui va changer à jamais son destin. La couleur dominante montrant un avenir incertain et sanglant. L'échange de regards entre les personnages, même s'ils ne se voient pas directement. On ressent parfaitement bien le déchirement d'Anakin sur la décision qu'il va prendre, qui déterminera si sa femme va vivre ou non. Allez, seconde qualité du film, les personnages. Il y a pas mal de personnages que j'ai beaucoup aimés dans ce film, comme par exemple le maître Jedi Mace Windu. Bon, quasiment tout le monde l'aime ce personnage parce qu'il est joué par Samuel Jackson, ça aide beaucoup. Yoda, je l'aime toujours autant, bien qu'il soit un peu trop en retrait dans ce film, sauf pour le final. Mais le personnage qui m'a le plus agréablement surpris dans ce film, c'est le sénateur Bail Organa. Allié des Jedi et de la sénatrice Padmé Amidala, reconnaissant l'empereur Palpatine comme un ennemi de la République, républicain très attaché à ses convictions, la paix et la démocratie, ce personnage est très attachant rien qu'avec l'interprétation de Jimmy Smith. Et ça me rassure tout autant que Leia soit adoptée par un mec comme lui. Palpatine également, je l'ai bien apprécié dans ce film, et Ian McDiarmid se donne enfin à fond dans son rôle. Ça se voyait qu'il s'emmerdait à jouer un vieux pépé à la con dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Là enfin, il se lâche. Par contre, est-ce que c'était obligé de le faire jouer comme la méchante sorcière de Blanche-Neige ? Et contrairement à ce que les gens en disent, j'ai beaucoup mieux apprécié Anakin Skywalker dans ce film-là.
même si je dois l'accorder, il a tout de même des moments assez lourds. Mais après, c'est plus dans la forme que dans le fond que Anakin est mauvais, bien que dans le fond, il y a quelques passages à corriger. Hayden Christensen est toujours le plus mauvais acteur du film, mais il a réussi à améliorer son jeu par rapport à l'attaque des clones. Et d'après ce que j'ai entendu dire, il s'est encore plus amélioré en dehors de Star Wars. Donc du coup, si vous avez des références, je suis preneur. Et en ce qui concerne les défauts du fond, eh bien je suis d'accord pour dire qu'il faut retirer la menace fantôme, ce film n'apporte strictement rien d'important. Et ça aurait amélioré pas mal de points, dont notamment la romance, en faisant en sorte que Anakin et Padmé ne se rencontrent que dès l'attaque des clones. Et bien entendu, une amélioration en ce qui concerne la relation entre Anakin et Obi-Wan. Parce que dans la forme de la menace fantôme, Obi-Wan ne semble en avoir presque rien à faire d'Anakin. Tout ce film aurait pu être résumé dans des paragraphes du générique défilant. Mais en ce qui concerne les bons côtés du fond d'Anakin, eh bien, c'est du tout bon. Cela montre un chemin miroir à celui de Luke, qui lui a quasiment réussi toutes les étapes de son voyage du héros, que cela soit dans chaque film ou au fur et à mesure des films. Contrairement à Luke, Anakin va rater quasiment toutes ses étapes, voire même pire, il va les erroner, ce qui va bien entendu amener à sa chute, ce qui en fait un héros tragique. Ce qui est intéressant avec le personnage d'Anakin, c'est qu'il nous prouve que chaque héros a un point faible. Et quant à Anakin, son point faible c'était l'attachement qu'il a envers les êtres qu'il aime. Il a perdu sa mère, du coup il va tout faire pour protéger sa femme d'une mort. Comme quoi, l'idée du rêve n'était pas une si mauvaise idée que ça. Mais son ennemi va profiter de sa faiblesse pour le faire chuter. Voyez-vous, ça c'est Anakin dans le fond. Dans la forme, c'est tout autre chose. Déjà d'une, ça aurait aidé d'avoir un film entre l'attaque des clones et la revanche des Sith, centré sur la guerre des clones, ce qui aurait apporté une fluidité du changement psychologique d'Anakin. La guerre change la psychologie des gens, c'est un fait indéniable. Et surtout que c'est pas aidé par la direction de George Lucas pour diriger correctement ses acteurs sur fond vert. And what if you look up at those yellow eyes? Is that where you were looking? Yeah, no, I was looking at the white set. Oh, alright, well, look up at the yellow eyes, let me see what happens then. We've had, as you say, an enormous amount of blue screen or green screen also. It seems that their work in this film. And I'll never get used to that. It's really, really hard. Par contre, je ne comprendrai jamais la logique de George Lucas de ne pas nous le montrer que c'est un Jedi badass. Il tue le conseil des séparatistes. Oui, comme si c'était un grand défi à surmonter pour lui. Tout comme prendre Mace Windu en traître et buter des enfants hors champ. Le seul moment où on nous le montre à peu près badass, c'est quand il affronte en duel trois Jedi durant l'attaque du temple. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas montré cette scène? C'était ce genre de scène qu'on voulait voir dans le film. Parce que là, le fait de nous le montrer en train d'aller tuer les enfants de Jedi, bah ça nous le fait passer pour un lâche, vu que c'est les clones qui font tout le boulot. Et bien entendu, vous me connaissez, le meilleur pour la fin, Obi-Wan Kenobi. Bon, je vais plus m'attarder sur le personnage que sur l'acteur Ewan McGregor, parce qu'il fait toujours aussi bien le café. Les gros points forts qu'il y a avec Obi-Wan Kenobi, c'est bien entendu son humour, mais ça je l'ai déjà dit, son aspect calme et bienveillante, et c'est également le personnage qui évolue le mieux dans les trois films. Dans La Menace Fantôme, il était réservé et discret, mais gardait un aspect assez fougueux. Dans l'attaque des clones, il avait toujours autant d'énergie, mais avait un caractère beaucoup plus calme, et il avait gagné en assurance. Et dans la revanche des Sith, je trouve qu'il a gagné en maturité, normal vu qu'il siège au conseil Jedi. Et il a développé un aspect d'humilité, faisant passer la gloire avant tout aux autres, alors que lui aussi, il mérite des éloges. C'est qui plus est, l'ami, le frère et le mentor qu'on voudrait tous avoir. Ou alors, si on est dans sa position, c'est l'ami, le frère ou le mentor qu'on voudrait être. Bref, un modèle à suivre, un superbe personnage parfaitement bien écrit et interprété par un super acteur. Tiens, petite parenthèse, vous savez qui est l'oncle d'Ewan McGregor? C'est Dennis Lawson. Quoi, vous ne le connaissez pas? Mais si, allez, c'était Wedge Antilles dans la trilogie originale. Ah, Star Wars, une belle histoire qui réunit toute la famille. Un vrai plaisir. Le dernier point positif vis-à-vis de ce film, le duel sur Mustafar. Bon, bien entendu, malgré que ce duel soit bon, il a tout de même pas mal de défauts. Le premier défaut, le fait que les coups de sabre préfèrent toucher la lame de l'adversaire au lieu de toucher l'adversaire. Le deuxième défaut, ce passage-là. Et on fait tourner les serviettes. C'est vrai qu'on ressent absolument pas la puissance de leur impact. Le troisième défaut... Oui, je balance, et nous nous balançons. Et le dernier passage, la fin du duel. Bon, je veux bien accepter qu'il soit protégé des flammes et de la lave grâce au bouclier de la plateforme et du droïde. C'est parfaitement bien démontré, ok. Mais vous allez pas me faire croire qu'ils arrivent à respirer normalement dû aux vapeurs toxiques et aux fortes chaleurs. Je veux bien comprendre qu'on soit bien dans un univers de science-fiction et de fantasy, mais il y a tout de même des limites. Et bien entendu, le climax du duel, qui est exactement le même que celui de l'épisode 1, tout en étant son antithèse. Mais que ça soit l'un ou l'autre, ils restent tous les deux très cons. Oh
une cigogne. Anakin avait juste à longer la rive pour sauter au même niveau d'Obi-Wan sur le même talus. Bon après je comprends, il fallait mettre un terme à ce duel, il était tout de même très long. Mais sinon dans le fond, le duel est super. On voit deux amis qui se considéraient comme des frères qui sont devenus des ennemis. Ils s'affrontent pour leurs convictions et leur propre point de vue. La musique qui accompagne ce duel que je vous ferai écouter tout à l'heure est la plus magnifique musique qui accompagne un duel avec celle de l'épisode 6. Et ce plan là est super classe. Même s'il s'agit du meilleur duel de la prélogie, c'en est pas un des meilleurs duels de la saga pour autant, à cause de sa forme qui est très mal menée. Je considère chaque duel de la trilogie originale comme supérieur à celui-ci, même celui de l'épisode 7. Mais attention, avant de me taper sur les doigts, attendez que je fasse ma vidéo là-dessus. Retenez surtout que ce duel fait partie des meilleurs, mais qui est le plus faible parmi ces meilleurs. Et on va terminer sur ces points positifs par la partie musicale de John Williams. Bon, je vais pas vous resservir le même tapis, vous connaissez déjà assez bien le bonhomme comme ça, sinon... allez écouter ses BO. Pour la composition de la Revanche des Sith, il l'a beaucoup mieux utilisé que dans l'attaque des clones. Il réutilise tout aussi bien ses anciennes compositions que pour les précédents films, tout en y apportant de la nouveauté, comme par exemple quand Anakin va massacrer le conseil séparatiste. On peut rester dans le même genre de musique, tout en y apportant un ton beaucoup plus calme, comme pour faire ressentir parfaitement bien le déchirement d'Anakin quand il regarde l'horizon en direction de l'appartement de sa femme, ma scène préférée du film. Et bien entendu, le meilleur pour la fin, Battle of Heroes. Du coup, que pouvons-nous en conclure sur la Revanche des Sith ? Mais aussi sur la prélogie. Dans mes vidéos sur la trilogie originale, je vous avais narré quel était un peu le voyage du héros. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est un héros qui va répondre à l'appel d'une aventure, du coup il va quitter son foyer, débutant un parcours initiatique, en acquérant des connaissances et des compétences nécessaires pour qu'il puisse revenir affronter une grande épreuve, et à la fin il recevait une récompense en fonction de ce qu'il avait acquis. Dans le vocabulaire du voyage du héros, c'est ce qu'on appelle cette récompense l'élixir. Dans le fond, la trilogie originale est superbe, et dans la forme, l'histoire de ce voyage est parfaitement bien racontée. Le fond respecte le voyage du héros, et la forme respecte le show d'un tel. L'équilibre parfait pour obtenir un super film. La prélogie est déséquilibrée à ce niveau-là. Dans le fond, oui, elle est superbe. Les étapes du voyage du héros sont toujours aussi bien respectées, mais dans la forme, la prélogie se casse la gueule. Une histoire mal racontée visuellement, du spectacle à gogo, des pubs pour des produits dérivés, et la narration de la forme se casse la gueule avec des éléments dans chaque film qui reposent beaucoup trop sur l'univers étendu. Du coup, voilà, il faut faire attention à ce que vous visez, le fond ou la forme, avec vos arguments du pour et du contre concernant un film. Dans ma vidéo sur la menace fantôme, je visais avant tout la forme. Et vous n'avez pas du tout été d'accord avec moi, parce que vous vous défendiez le fond. Du coup, normal qu'on n'a pas du tout été en raccord les uns par rapport aux autres. Dans ma vidéo de l'attaque des clones, je visais encore une fois la forme, mais en même temps, je commençais à vous démontrer la différence avec le fond d'une histoire. Et là, cette fois-ci, nous commencions à être sur la même longueur d'onde. Et vous commenciez à comprendre la différence entre le fond et la forme, sans même que vous vous en rendiez compte pour certains. Attention, ne croyez pas que je commençais à vous endoctriner ou un truc comme ça, non. Je voulais juste vous remettre en question. Qu'est-ce que vous défendiez avec la prélogie ? Son fond ou sa forme ? Parce que savoir imaginer des éléments est une chose. Savoir bien les amener pour bien les raconter en est une autre. Et là, c'est ce qui a fait défaut à George Lucas dans la réalisation de la prélogie. Il avait d'excellentes bonnes idées, mais il a perdu le talent pour savoir comment bien les raconter. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensiez dans les commentaires, même si j'aurai pas le temps d'y répondre parce qu'il faut que je me penche immédiatement sur notre prochaine vidéo, à savoir le réveil de la force. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et quant à moi je vous dis, à la prochaine tout le monde. Salut, c'était l'Oncle Buck.